Bah, salut les gens, bah, aujourd'hui c'est petit coup de gueule contre ces messieurs dames, les migrants. Voilà, je suis en bagnole, sorti de Dunkerque, je suis censé faire un aller-retour rapide en Normandie, et je suis bloqué comme un âne à cause de ces blaireaux, parce qu'il n'y a pas de qui traversent l'autoroute. Voilà, je vous fais voir. Donc là on n'en voit pas, mais à mon avis ils vont pas tarder à apparaître. Donc ça traverse l'autoroute 8-10, et qu'est-ce qu'on a? On a 4 pauvres keufs avec un casque anti-émeute sur la tronche et une gazeuse pour 4, qui essaye désespérément de leur galoper après. Alors, je m'adresse à François, là, flambi, là. Quand est-ce que tu te sors les doigts du cul, du con? Au lieu de nous péter les couilles avec tes putains de contrôles routiers, de nous emmerder pour les oreillettes, avec les impôts, Marisol Touraine qui fait connerie sur connerie, est-ce que vous allez vous bouger le train? Parce que ces gens-là, ils sont soi-disant partis de chez eux pour préserver leur vie à cause de la guerre. Par contre, traverser l'autoroute en courant aux heures de pointe, ça leur pose pas de problème. Donc j'ai cruellement l'impression que tout ça commence à manquer sérieusement de tarte dans la gueule. Et s'il faut en distribuer, je vais me mettre en première ligne. Parce que sans déconner, on est dans l'irrationnel absolu, là. Fais péter les camps, fais péter l'assistance, fais péter la bouffe, fais péter ci, fais péter ça. Et là, on est tous comme des couillons à se faire chier, à aller bosser tous les jours pour te filer 40%, 50% de notre salaire en impôts. Et toi, t'es pas foutu de te bouger le train. Alors François, sors-toi les doigts du cul un peu. Arrête de glandouiller ou d'emmener des croissants à ta pute le dimanche matin avec ton putain de scooter. Toi, en étant patron des RG, t'as réussi à te faire serrer, moi, avec un Blackberry en 10 ans, je me suis jamais fait avoir. Crétin. En attendant, j'en ai plein le cul et je dois pas être le seul. Sans déconner, à part bosser, casquer, fermer nos gueules dans ce pays à la con, je sais pas trop ce qu'on y fait. Je sais pas trop ce qu'on y fait. Et moi, je peux te garantir que si jamais il y en a un qui s'approche de ma charrette, sans déconner, je le plante, quoi. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Voilà, regarde. Ton poulailler sur le bord de la route. Putain, si jamais il y en a un qui m'arrête parce que je suis en train de faire un live ou je sais pas quoi, ça va chier dans le ventilo, alors quelque chose de bien, quoi. Allez-y, mes yeux des forces de l'ordre, vous êtes déjà assez emmerdés comme ça. Putain, mais c'est une catastrophe ce pays, c'est pareil quoi. Pour 20 blaireaux, on est tous bloqués. Et paye ton contrôle technique, et paye ton assurance, et paye ci et paye ça, puis surtout ferme ta gueule. Sans déconner, il y en a marre quoi. C'est quand la révolution dans ce pays de mes couilles? Je suis furax. Voilà.